sujet. Les Mickey n'ont plus du tout entendu parler de l'émission qui devait avoir lieu ici. Moi non plus d'ailleurs. Enfin, j'attends, hein. Hé, les voilà qui arrivent. Léger, j'ai encore pris 50 grammes. Elle est folle, cette nana. Hey, Tom, regarde. En B2, là, il y a Love Me Tender. Non, non, ça bouge pas assez. Écoute ça, plutôt. Oh. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Finish, tu gardes une femme? Laisse tomber, baby. Aujourd'hui, je drague. Ouais, c'est vrai, ça après tout. Il t'a donné un petit coup de gomme. Qu'est-ce qu'il te prend? Candy, on a soif. Salut les Mickey. Oh, salut les Mickey. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous ai mis comme d'habitude. Oh non, mais dis, on n'a jamais vu des trucs comme ça. Hein. Enfin, vous verrez, c'est pas mauvais. Et dis-moi, si on n'aime pas, je vous lasserai. Je vous compterai seulement 15 de pouces par verre. Quoi? Ça sera plus sûr si on n'y touche pas? Bien sûr, ça fait du nettoyage en plus. Oh, dis donc, tu pousses pas un peu, là? C'est du vol, ça. Ah, d'accord, vous aimez la vie pépère, hein? C'est pour ça que vous êtes devenu confortable. Non, mais n'importe quoi. D'abord, je ne suis pas vraiment confortable. Ensuite, tu ignores quelles émotions j'ai dû endurer. Combien de kilomètres j'ai parcouru en courant. Tiens, par exemple, lorsque Duchesse et les chatons ont disparu dans les Aristochats. Eh bien, moi, Roquefort, il m'en a fallu du souffle et du sang-froid. Alors, la nouvelle a été terrible pour moi. Oh, oh. Duchesse, oh. Chaton, disparu. Quelle chose horrible. Mais où? Pourquoi? Monseigneur, il a pu leur arriver n'importe quoi par une nuit pareille. Mais ils ont pu se noyer dans un caniveau. Être frappés par la foudre. Ils ont besoin d'aide. Il faut absolument que je les retrouve. Il est vrai que je me suis lancé souvent dans des actions d'une audace qui frisait l'inconscience. Mais lorsque j'ai prêté ma voix à Bernard, le petit ami de Bianca, je suis resté courageux, mais sans témériter. Non, enfin, pour eux, quoi. Eux, moi? Ah, mais non, pas du tout, non. Moi, j'adore le train. Wagon-restaurant, ils servent du Roquefort. Tirez sur le manche! Thank you.
Je pourrais te dire aussi que j'ai conseillé le roi Jean contre ce gredin de Robin des Bois. Sire, si je puis aventurer une opinion, vous n'êtes point comme de coutume sujet à l'allégresse. J'ai été aussi le gentil porcinet. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Je ne m'inquiète pas des feuilles qui s'en vont, mais des feuilles qui viennent. Oh, oh, oh! Le chafaud d'Alice! Oh, un petit moment. Oh! Second couplet. Fleur d'argent, les rhododendrons, j'irai et j'y tomberai. Attention, chers auditeurs, un conseil. Pour dompter un animal, il suffit de le regarder droit dans les yeux. Infaillible. Anne Blanche-Neige va avoir une sacrée surprise. Diane Tell, qui écrit toutes ses chansons, hein, les paroles et les musiques, va faire une exception pour chanter Un jour mon prince viendra. Et attendez, c'est pas fini. Elle va se faire accompagner par trois des meilleurs musiciens de jazz français, ceux qui jouent avec Claude Nougaro. Good morning, sir. Come right in. Your Honor, Your Lordship, Your Royal Highness. Oh, thank you, sir. Thank you so much. I'll get you a bowl of cream. Ça brille. Pitié, Frankie. Alors, Frankie, tu dors? Oh, non! Et si? J'ai pas de chance, fallait que je tombe sur vous. Un type verni. Tu vois trop les choses en noir. Crois-moi, dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Frotte. Vas-y, fort. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis sous. Que s'est-il passé? Vous leur avez parlé de travail? Ça explique tout. Oh, là, qui cette main là? Oh, c'est pas moi. Ah oh, chut, on va se faire repérer. Vous ne trouvez pas qu'on a l'air idiot quand même de se planquer comme ça? Ah, il y a que moi. Et je suis coincé. Bah, évidemment, pas grosse comme elle est, elle est bien pour la terre. Et tu la vois? Bah non. Hé, hé, hé!
Aïe! Oh oui, là, là. Bon, alors, ça suffit maintenant, tout le monde dégage, allez! Oh. Ça va, c'est pas mal? Bah écoute, je suis coincée là. Aïe, tiens, on a klaxonné par ici, là. Oh non, je vais voir du petit dragon. Ah. Ouais, cassez-vous, mes fils n'y arrivent! Je peux pas, Nelly est coincée. Faut pas vous gêner, hein. Alors, vous les avez trouvés? Moi, pas du tout. Mais ça se paiera très cher. Tiens, vous les Mickey.